Je reçois énormément de messages de parents qui se plaignent que leurs enfants, déjà tout petits, hein, subissent des attouchements par d'autres enfants à l'école, que les petits garçons baissent la culotte, se retrouvent dans les toilettes pour toucher le pour toucher les fesses. En fait, tout est dans la prévention. Les parents doivent éduquer leurs enfants tout petits déjà, les sensibiliser sur la pudeur. Non, on ne regarde pas les parties intimes du petit copain ou de la petite copine. Non, on ne force pas la camarade à baisser sa culotte. Non, on ne force pas l'enfant à toucher ses parties intimes. Vous devez sensibiliser les enfants et leur apprendre en fait que quand ils vont aux toilettes, ils y vont tout seuls. Ce n'est pas parce que ce sont des enfants que ce n'est pas grave. Il y a des enfants qui sont complètement traumatisés parce qu'on les a forcés à jouer au docteur ou au papa et à la maman. Derrière ces jeux qui font partie du développement de l'enfant, c'est à nous en tant que parents de poser des limites. Chaque enfant doit savoir que personne ne doit les toucher ou les regarder. Et surtout, chaque enfant doit savoir que s'il se passe quelque chose, un, il ne doit pas être intimidé. Deux, il doit dénoncer, donc en parler à un adulte. Et trois, venir vous en parler, vous, en tant que parent. Une dernière chose qui est très importante, apprendre à son enfant que si quelqu'un lui dit de garder un secret, c'est justement à ce moment-là que votre enfant doit venir vous en parler.